Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. Quand Mustafa Kemal Atatürk a instauré la laïcité, il ne s'est pas encombré de procédés byzantins, si je peux dire. Il n'a pas tenté d'adapter la modernité à la culture et à la civilisation pourtant brillante de son peuple. Il a choisi la voie de l'occidentalisation pure et simple. Il n'a pas opté pour la modernité, mais pour l'occidentalité. Il a littéralement forcé la société turque à se délester de sa personnalité musulmane, à adopter des codes vestimentaires occidentaux. Pour les hommes, le port du fez, le fameux tarbouch athmani, est désormais proscrit. Pour les femmes, le port du voile, le yashmak, est quasiment rédhibitoire. Les hauts lieux du soufisme sont fermés, de même que les écoles coraniques. L'alphabet arabe est remplacé par l'alphabet latin. Le calendrier grégorien éclipsé par le calendrier, éclipse plutôt, le calendrier égyrien. Mustafa Kemal Atatürk occidentalise au pas de charge tous les dehors de la société turque, dans le même temps qu'il tente d'en extirper toutes les racines qui pourraient faire ressusciter éventuellement une identité qui s'était épanouie pendant des siècles au cœur de la civilisation arabo-musulmane, dont elle était devenue l'incarnation, l'expression et l'épée. Quelques décennies plus tard, la Turquie s'était transformée en profondeur. Elle laissait penser à tous ceux qui l'observaient qu'elle avait changé d'âme de façon catégorique et irréversible, de la même manière qu'elle avait troqué ses tarbouches contre des chapeaux mous. Pour parer à tout retour à l'identité matricielle, le pays fut enfermé dans un carcan militaire qui imposait ce que devait être la politique et de quelle manière les Turcs devaient vivre. Pourtant, malgré les titanesques efforts entrepris pour déraciner le peuple turc, en faire un peuple occidental, de seconde zone, bien sûr, malgré une politique particulièrement déculturante, dépersonnalisante, ce peuple a su transmettre génération après génération, presque de façon clandestine, les semences qui permettraient, le moment venu, de faire refleurir le Turc d'antan. Non pas le Mamamouchi avachi dans sa skrifa à fumer le narguilé d'opium, mais ce descendant d'un peuple nomade et guerrier, sobre, venu d'Asie centrale, ses Seldjoukides, puis ses Ottomans, qui réussirent à mettre bas le puissant empire byzantin et à devenir un puissant empire musulman. Aujourd'hui, malgré tous les efforts entrepris pour finir de dénaturer le peuple turc, dans le même temps que l'Occident se refuse à lui ouvrir la porte de l'Europe, la Turquie a su retrouver son identité, dans la sérénité, dans la paix, dans le libre choix de son peuple. Malgré tout ce qui a été entrepris, malgré la désinformation, la subversion et tous les moyens possibles et imaginables, les Turcs ont su élever leur pays au pinacle des nations les plus développées, les plus prometteuses. Aujourd'hui, la Turquie est la première puissance économique du Moyen-Orient, devant l'Iran et l'Arabie saoudite, la 7e puissance économique d'Europe et la 17e puissance économique mondiale. Et dans son programme dénommé Objectif 2023, le Parti de la Justice et du Développement, l'AKP, qui vient de remporter ces dernières élections, promet de figurer parmi les 10 premières économies du monde. Les élections qui viennent d'avoir lieu et qui ont consacré de façon retentissante la victoire de l'AKP ont soulevé une immense clameur dans tout le monde musulman. Plus de 87% de participation. 87%. 43 millions d'électeurs et un chiffre record pour l'AKP,
que tous les sondages donnaient perdant. Nous allons essayer d'en savoir plus avec nos invités, de savoir qui sont les Turcs, comment un tel développement économique a été possible, comment une formation dont tout le monde dit qu'elle est islamiste, sauf ses propres dirigeants, est parvenue à prendre le pouvoir dans le seul pays vraiment laïque de tout le monde musulman, comment une telle transition a pu s'effectuer sans violence, dans un pays où l'armée est autrement plus décisive que dans un certain pays où elle a pourtant empêché le processus électoral d'aller à son terme. Mais nous essayerons aussi de savoir si ce pouvoir ne va pas prendre la grosse tête, s'il ne sera pas tenté d'étouffer les libertés, de monopoliser les leviers de la souveraineté populaire. Aujourd'hui, Le Monde. En Turquie, le triomphe d'Erdogan. Par Marie Jego. The Conversation. Erdogan, le choc et les voix. Par Gulsun Erdi Lelandais. Agoravox. Turquie, éloignement vers l'islamisme conservateur. Par Christophe Bugeau. Avec nous aujourd'hui, par ordre alphabétique, Anwar Haddam, député du FIS, élu en 1991, président du Mouvement pour la liberté et la justice sociale en Algérie, et Brahim Younsi, président de l'UDM. Anwar Haddam, merci d'avoir répondu à notre invitation. Assalamu alaikum, merci. Wa alaikum assalam. Alors, Anwar Haddam, que vous inspire... D'abord, l'AKP est-il un parti islamiste? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que cette connotation islamiste a en elle un bagage historique dû aux manipulations et à la déformation. Mais il faut comprendre que eux-mêmes, les AK Party, ne veulent pas être labellés comme parti islamiste à cause de ces déformations, mais ils sont d'obédience islamiste. Anwar Haddam, vous allez rester avec nous en Skype, mais nous allons vous appeler au téléphone parce que le son n'est pas très bon. Donc vous resterez avec nous en image et on vous appelle au téléphone. Brahim Younsi, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de m'inviter. Je salue Anwar Haddam et je salue vos téléspectateurs. Merci Brahim Younsi. Vous êtes devenu en quelque sorte notre pédagogue. Vous nous expliquez souvent les choses. Vous êtes un homme très laborieux qui va au fond des choses. Vous savez bien expliquer. Donc c'est pour ça qu'on a souvent recours à vos lumières. Brahim Younsi, parlez-nous un peu du peuple turc, de son histoire, mais de façon assez brève. Oui, c'est très difficile, parce que l'histoire de la Turquie, ou des Turcs, est très complexe. Vous avez évoqué les Seldjoukides, notamment, puis les Ottomans, les Seldjoukides, qui partent des Balkans. Vous savez, quand on évoque l'histoire de la Turquie, nous sommes dans l'actualité de ce qui se passe au Proche-Orient. Donc les Seldjoukides qui, eux, à partir du 10e, 11e siècle, commencent à prendre beaucoup de pouvoir, en partant des Balkans évidemment, à prendre beaucoup de pouvoir au Proche-Orient. Et ils deviennent même d'une certaine façon, les protecteurs du calife abbasside, que les Mongols font tomber, comme vous le savez, en 1200. Oui, il y avait le sultan ottoman et le calife abbasside. Exactement. Oui. Les Ottomans ne se sont pas encore affirmés à ce moment-là. Les Seldjoukides, alors. Oui. Voilà. Oui. Les Seldjoukides étaient là, qui n'étaient pas encore un sultanat. Enfin, ils avaient un chef, ils avaient
comme vous dites, un sultan, mais qui ne régnait pas. Mais le calife, il le protégeait. Il protégeait le calife indéniablement. Et bien sûr, ils sont écrasés par les Mongols qui font tomber les Abbasides. Mais les Ottomans prennent, si vous voulez, le revanche par la suite. Parce qu'il constitue un vaste bir à partir du XIIIe siècle, commence à se développer. Ils prennent à partir du XIVe siècle, notamment du XVIe siècle, la Syrie, la Jordanie, la Palestine, et nous retrouvons dans l'actualité d'aujourd'hui. Et ils prennent par la suite le Maghreb, à l'exception du Maroc, c'est-à-dire de 1500. Brahim Younsi, même problème pour Anwar Haddam. Nous allons donc revenir à vous. On vous a appelé au téléphone aussi. Vous resterez avec nous en image. Je reviens à Anwar Haddam en espérant que nous l'avons au téléphone et en image. Oui. Ah ben, c'est très bien. Donc, je vous laisse poursuivre, Anwar Haddam, au sujet du caractère de l'AKP. L'AKP se garde bien de dire « nous sommes un parti islamiste », alors que tout le monde les donne comme étant un parti islamiste. Parce que justement, cette connotation islamiste a été tellement abusée, d'accord. Mais c'est pour ça qu'ils se présentent comme étant conservateurs. Les conservateurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire respecter la culture du peuple. Ça veut dire respecter le droit à la liberté religieuse, liberté d'expression, etc. Mais ce n'est pas l'AKP uniquement, c'est le peuple turc tout entier, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé au 1er novembre. Au 1er novembre, ces dernières élections, si vous permettez, vous l'avez bien dit au début, c'est que ces élections sont advenues où la Turquie est la région avoisinante à la Turquie, c'est-à-dire le monde arabe, vivent une situation difficile. La Turquie, elle a passé les cinq derniers mois dans une instabilité politique due justement aux élections de juin dernier, où il n'y a pas eu de majorité claire, et ainsi, mais les partis d'opposition n'ont pas pu former un gouvernement de coalition. Donc ce qui s'est passé le 1er novembre, c'est que le peuple turc, dans sa majorité, dans sa diversité, a vu en ce parti d'obédience islamique, a vu un facteur de stabilité. C'est ce qui compte le plus. Je rappelle Anwar Haddam qu'il y a eu des élections, il y a 5 mois environ, où l'AKP n'a pas remporté une victoire aussi nette. Mais que c'était une crise qui n'a pas été possible de former un parlement, un gouvernement d'union nationale, et qu'ils ont dû annuler donc ces élections et refaire d'autres, celles du 1er novembre, qui ont donné l'AKP avec une très large victoire, 316 sièges sur 550. Oui. Mais dites-moi, Anwar Haddam, en Turquie, l'armée est très forte. Et qui de plus est, se dit gardienne de la laïcité. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas interrompu le processus électoral? Parce que justement, ils ont adopté, en Turquie, ils ont adopté une certaine définition de la laïcité qui est devenue différente à celle de la France, par exemple. Où la laïcité ne veut pas dire être contre le religieux, contre le droit du citoyen dans sa religiosité. Parce qu'il faut comprendre, comme je l'avais dit, depuis la situation algérienne, il y a 25 ans, il est devenu clair que dans les pays à majorité musulmane, s'il y a une véritable démocratie, une véritable élection libre et transparente, il y a toujours la tendance islamique qui aura la majorité des voix. Mais en même temps, il y a deux autres facteurs qui changent la situation. C'est cette institution militaro-sécuritaire qui s'oppose aux résultats, ainsi qu'il y a une minorité
mais qui a un pouvoir de destruction terrible, qui empêche ce changement vers une certaine forme de gouvernance islamique. En Turquie, ils ont réussi. Ils ont réussi à dépasser ces deux facteurs importants, qui d'ailleurs causent toute la situation, c'est à cause de ces facteurs qui s'opposent à cette transformation démocratique des pays de la région, qu'on a cette instabilité dans toute la sous-région arabe, etc. Mais en Turquie, ils ont réussi ça, justement, tout en étant parti d'obédience islamique. Donc, ils ont montré que, premièrement, ils sont un facteur de stabilité, et c'est le peuple lui-même, dans sa diversité, et qui, par ses élections, il a confirmé ça. Il ne faut pas oublier que le pouvoir, que l'AKP est au pouvoir depuis 10 ans. Et ils ont vu que effectivement, l'AKP pourra, parce qu'ils ont, après une dizaine d'années qui étaient excellentes du point de vue économique, il y a un petit problème, il y a une petite crise économique maintenant en Turquie aussi, mais ils ont vu dans l'AKP la seule formation qui peut les faire sortir. Mais justement, Anwar Haddam, justement. Il y a aussi la gouvernance démocratique du parti lui-même. Justement, Anwar Haddam, vous dites la seule formation. Est-ce que ce n'est pas étonnant, vraiment, ça va poser des questions à partir de maintenant, que le seul pays vraiment démocratique, du moins à ce qu'il semble, dans le monde musulman, soit une république dirigée par un mouvement islamiste? C'est quand même assez gros, hein, il faut le reconnaître. J'entends d'ici des cris d'orfraie que vont pousser certains, mais moi je ne fais que constater, aujourd'hui, dans tout le monde musulman, où il y a une grosse majorité de despotes, de dictatures, de mafiocrates, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le seul État dans la société musulmane, majoritairement, qui soit vraiment démocratique, c'est la Turquie. Est-ce que ce n'est pas étrange? Est-ce que ce n'est pas un peu... Est-ce que ça n'interpelle pas? Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer ici, parce que, bon, il y a évidemment l'Indonésie, il y a une forte majorité musulmane, il y a la Malaisie aussi, mais ils sont loin du monde arabe, c'est pour ça qu'on n'en parle pas assez, mais ils vivent aussi une certaine démocratie quand même. Non, ce que je voulais dire, c'est ça justement, c'est qu'ils ont réussi, parce qu'il y a une certaine presse qui veut nous faire dire que c'est une victoire personnelle d'Erdogan, et c'est sa stature, etc. Mais c'est le peuple qui a choisi, il a vu, et pourquoi il a choisi dans cette situation qui est complexe. La situation au sein de la Turquie après 5 mois d'instabilité politique, parce qu'ils n'ont pas réussi, parce qu'en même temps que la KP a gagné, les autres partis majoritaires, les autres importants partis d'opposition ont perdu. Ils ont perdu dans ces élections. Donc, il n'y a pas uniquement le fait que l'AKP a avancé. Ils ont eu plus de 4 millions de nouvelles voix entre juin et maintenant. Mais c'est les autres partis, comme par exemple le parti de... Il y a par exemple, comment on l'appelle, le MHP. Il a perdu 40 voix et le parti à connotation kurde a perdu 21 voix, etc. Mais vous n'êtes pas étonné par le chiffre de participation? C'est énorme, 87%, non, ouais. 43 millions d'électeurs qui sont rendus aux urnes. Oui, c'est, oui. C'est inimaginable. Pourquoi, Jamel Dine? Oui. Parce que justement, ces 5 derniers mois, la situation était vraiment terrible en Turquie en comparaison des 10 dernières années. Et en comparaison avant les 10 dernières années. Parce que l'instabilité politique, ce dead end, faisait appel à l'armée. Donc le peuple avait peur de l'intrusion de l'armée dans les affaires politiques, encore une fois. C'est pour ça qu'ils ont choisi, le peuple turc a choisi, a fait sa décision, et il a choisi un parti d'obédience musulmane, d'obédience islamique, parce qu'il avait ce caractère d'un parti à gouvernance démocratique, justement. Restez avec nous, Anwar Haddam, restez avec nous, oui. Je reviens à vous dans un instant. D'accord. Brahim Younsi, je vous laisse poursuivre, un bref rappel historique. Avant de vous poser la question sur le mode de scrutin, c'est un mode de scrutin qui est très particulier.
Je vous en prie. Oui, enfin, il est commun à d'autres. Oui. Le système, d'abord, il faut dire à propos de la Turquie que c'est un système politique monocaméral, c'est-à-dire il y a une seule chambre qu'on appelle la Grande Assemblée nationale. Et puis, effectivement, le système électoral, s'il n'est pas particulier, parce qu'il y a d'autres systèmes de ce type, mais la particularité, en effet, par rapport à d'autres systèmes, c'est que les partis politiques doivent avoir un candidat, au moins un candidat, dans la moitié des provinces, dans la moitié des circonscriptions électorales. Et pour être élu, il faut absolument que leur parti, parce que c'est un système qui est fondé sur les partis, que leur parti ait au moins 10% sur le plan national. Ça montre aussi l'ampleur de la victoire de l'AKP dont vous parliez à l'instant. Oui, je vous en prie. Donc, voilà la particularité effectivement du système qui sanctionne les partis qui, sur le plan national, ont moins de 10% des suffrages. Est-ce qu'on dit que Erdogan veut aller vers un régime présidentiel? Est-ce que ce n'est pas vouloir s'accaparer la totalité des pouvoirs, les contrôler encore plus? Est-ce que ce ne peut pas être... Ça dépend. Je ne connais pas avec précision la constitution turque, mais cela dépend des prérogatives que lui donne la constitution. Aller vers un régime présidentiel, vous savez que le président de la République turque était élu par la Grande Assemblée. Oui. Et qu'aujourd'hui, le président de la République est élu par le peuple, au suffrage universel. Oui. De façon directe. Oui. Vous savez, c'était le cas aussi de la France, où le président de la République, durant la 4e République, jusqu'en 1962, était élu par l'Assemblée nationale. Et c'est en 1962 qu'il y a la révision constitutionnelle pour que le chef de l'État français soit élu au suffrage universel direct. Comment se fait-il que l'armée turque, qui dispose pourtant de moyens importants et qui se dit la gardienne de la laïcité, n'ait pas empêché le processus d'aller à son terme? Je crois que nous avons atteint une autre époque de l'organisation politique en Turquie, à savoir que la souveraineté est devenue celle du peuple. C'est le peuple qui décide et l'armée s'est repliée à la fois par des pressions internes et puis aussi, il faut le dire, par des pressions externes. La Turquie, depuis de très nombreuses années, depuis les années 50, a demandé, vous l'aviez souligné tout à l'heure, avait demandé son adhésion à l'Union européenne. Il fallait absolument que la Turquie, sous la pression de l'extérieur, de se conformer aux libertés, aux droits démocratiques et aux libertés publiques de façon générale et le respect des droits de l'homme. Et que le suffrage universel, que le peuple devienne le souverain dans ce pays. Et nous sommes en train de nous y acheminer. Si vous me le permettez, je vais revenir un peu en arrière. Oui. Parce que j'ai écouté votre préambule. C'est vrai que Mustafa Kemal Atatürk a introduit franchement la laïcité de type français, etc., où la séparation est très étanche. Mais il faut dire aussi que la Turquie ou l'Empire ottoman était passé par une période au 19e siècle de réformes extrêmement profondes, ce qu'on appelle les Tanzimates. Et dans les Tanzimates que Selim III avait commencé à partir de sa prise de pouvoir, après avoir succédé à son père ou son frère, je ne me souviens plus, à partir de 1789 où la Révolution française avait déjà commencé, des réformes extrêmement profondes et poursuivies par Mahmoud II. Et Mahmoud II, que nous connaissons bien chez nous, parce que c'était lui qui était le sultan au moment où la France débarque en Algérie, en 1830, parce que lui meurt en 1839, si mes souvenirs sont bons. Ce que je veux dire par là, c'est que Mahmoud II, déjà, avait commencé à séparer.
ce qui relevait de stricto sensu du religieux et ce qui relevait du politique. Déjà au XIXe siècle, le cheikh l'islam, par exemple, ne pouvait donner que des avis sur ce qui relevait du religieux. Il n'intervenait plus sur les questions politiques. Donc les réformes commençaient. Et ces réformes-là, c'est vers l'Occident que à la fois Mouhammad Salim III et Mahmoud II regardaient. Par exemple, quand la constitution, la première constitution turque, date de 1876. Et en 1876, la constitution turque était quasiment la copie conforme de la constitution belge. Et tout a été, y compris l'armée avait été réorganisée de façon profonde, c'est-à-dire que ce sont les techniques, ce sont des officiers européens et notamment français qui ont réorganisé l'armée turque, notamment à ces périodes-là. La Turquie, évidemment, vous le savez, l'Empire avait pris position pour les puissances de l'Axe, et il perd la guerre avec l'Allemagne. Hein. Et c'est à ce moment-là, bien entendu, qu'il perd toute sa puissance, il perd toutes ses positions, il est dépecé. La Turquie a été réduite à deux ou trois villes. Oui, il a été démembré complètement, son empire a été dépecé. À son intérêt. C'est-à-dire que la Turquie s'est relevée de façon extraordinaire. Vous le disiez tout à l'heure, avec l'arrivée notamment de l'AKP au pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, la croissance économique est de 7%. Dans ce pays. Les droits et les libertés démocratiques avancent, quoi que disent certains. Et au sujet, Brahim Younsi, au sujet de ces élections qui sont pourtant vraiment massives, qui ont déplacé 43 millions d'électeurs. Et jusqu'à maintenant, la transparence des élections est unanimement reconnue. On dit que ça s'est très bien passé, qu'il n'y a pas eu de fraude, qu'il n'y avait pas eu de bourrage, et que même les autres partis concurrents ont reconnu la victoire sans vraiment recourir à la justice pour fraude éventuelle. Mais tout à fait, parce que l'AKP, c'est vrai qu'on le qualifie de parti conservateur, comme il a été dit tout à l'heure, cela est vrai. Bon, mais au terme de conservateur, il faut lui donner une connotation différente de celle que l'on emploie ici, de ce côté-ci, et en Occident. Le parti de l'AKP et Erdogan lui-même se situe dans la démocratie musulmane, dans la gestion démocratique des affaires publiques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est un exemple très important pour nous, et c'est cette expérience-là. Restez avec nous, Brahim Younsi, j'essaie de répartir le temps de parole entre les deux invités. Anwar Haddam, je voulais vous poser, d'abord avant de vous poser la question, je voulais vous montrer le bulletin de vote. Je ne sais pas si les téléspectateurs le voient. Le bulletin de vote turc. Alors, le bulletin, vous voyez là, que la dame tient comme ça. Ce bulletin de vote est le plus grand du monde. Ce bulletin de vote comprend toutes les formations parmi lesquels l'électeur doit choisir. Quand on lui remet ce bulletin de vote à l'électeur, on lui remet un petit cachet rond, un cachet pour... Alors, il met pas de stylo, il met le cachet en dessous, là où vous voyez le cercle, en dessous de la formation qu'il a choisie, pour qu'il n'y ait pas de bulletin nul. Et après, il le plie, il y a un système de pliage, et il le met dans l'enveloppe et il le met dans l'urne et il rend le petit cachet rond qu'on lui a remis. Anwar Haddam, deux questions. D'abord, vous n'avez pas été un peu étonné qu'une telle élection aussi massive qui a mobilisé autant d'électeurs se soit aussi bien passée, aussi bien déroulée? Non, parce qu'actuellement, cela est dû
à l'expérience qu'a eu le peuple turc dans sa diversité, et j'insiste sur ça parce que c'est un peuple divers qu'il a avec l'AKP. Donc, et ils savent bien que c'est un parti qui vraiment voudra servir le peuple turc dans sa diversité. Et je voudrais bien, et ça explique leur, ce qu'on appelle, parce qu'il y a eu, à cause de cette question de téléphone, etc., j'étais un peu disturbed, I'm sorry about that. Je voudrais revenir sur cette question de l'islamisme, de parti islamique, parce que c'est vrai, il y a dans, comme dans tous les partis politiques, dans toutes les tendances, il y a des extrémistes. Il y a des extrémistes, malgré le fait qu'ils sont minoritaires dans ces partis, dans ces tendances politiques, ils ont un pouvoir de destruction. L'AKP a réussi, parce qu'il ne faut pas oublier que ce groupe qui a formé l'AKP, il faisait partie d'un autre parti, le parti de Cheikh Arbakan, Allah yarhamou, où il y a eu cette expérience, Arbakan aussi, et est arrivé à devenir Premier ministre, mais il a échoué. Parce que justement, ils n'ont pas pu neutraliser ces extrémistes au sein de leur parti. Et c'est pour ça que Abdallah Gül, qui est un ami personnel, et avec Erdogan, etc., après avoir essayé de clarifier la situation au sein du parti de Cheikh Arbakan, ils ont décidé de former leur propre formation. Donc il y a eu aussi cet effort intellectuel au sein de la tendance islamique en Turquie pour essayer de bien comprendre quel est le rôle du parti politique. Il est là pour essayer d'aider le peuple. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Anwar Eddem, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'un parti islamiste qui ne maîtrise pas ses extrémistes ne peut pas aller très loin? Il ne peut pas aller très loin. Et je vous donne un exemple. Je sais, mais si c'est possible, deux minutes ou là, parce que c'est sensible. Je vous en prie, Je ne suis jamais exprimé officiellement sur ce point. Je voudrais bien comparer ça avec la situation en Algérie. Je vous en prie, on ne demande pas mieux. Et en 91, parce que j'étais partie prenante, exactement, nous avions réussi. Parce que contrairement à ce que certains médias voudraient nous faire croire, nous avons réussi à neutraliser au sein du Front islamique du salut ces extrémistes. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'aux élections parlementaires, aux élections locales, on n'était pas, en tant que tendance, on n'était pas tellement inclus dans le FIS, il y a eu certains extrémistes qui sont passés dans les élections locales et de les municipalités, les wilayas, etc. Et on sait bien qu'ils ont mal géré leur commune, mais lorsqu'il y a eu les élections parlementaires, parce qu'il y a ce qu'on appelle le khat al-asil du Jabal Islami al-Inqad, la ligne originelle du Front Islam du Salut a réussi à neutraliser. Et ainsi on voit, si on fait une étude sincère, une étude approfondie de la liste des élus au Parlement algérien en décembre 1991, On verra très bien, il n'y a presque pas d'extrémistes qui ont été élus. Donc on a réussi. Et le problème, c'est que ceux qui étaient déjà opposés, et nous savons très bien maintenant, Nazar et la clique, etc., ayant vu ces résultats, ils ont été déçus en quelque sorte. Parce que ils ont misé sur le fait que les extrémistes seront élus, et ainsi ils feront des saccages, etc. Mais ils ont été étonnés. Plus des deux tiers des élus au 26 décembre 1991 au Parlement algérien, c'était des universitaires, c'était des intellectuels, c'était de véritables experts dans les différents domaines nécessaires pour la gérance d'un État. Donc ce qui s'est passé en Algérie, c'est que le parti lui-même a réussi, vu son mécanisme interne, dans la période de Hachani Larahmo et de tout le groupe, qui n'était pas seul, ils ont réussi à neutraliser les extrémistes et leurs nuisances, et ainsi ils sont transformés en parti qui voulait vraiment servir le peuple. Et ainsi, les opposants à ce changement ont intervenu avec, on sait ce qui s'est passé avec toute la décennie noire, ou le Ma'al Asaf Shadid. Mais en Turquie,
Cheikh Arbakar, rahmatullah alayh, il est, nous, en tant que mouvement islamique, on le respecte pour tout ce qu'il a fait, mais malheureusement, sa vision des choses n'était pas celle dont at least nous adoptons ou les frères de l'AK Party adoptent. Mais c'est pour ça qu'ils ont réussi à sortir, bien qu'ils viennent de la mouvance de Arbakan, mais ils se sont décidés de vraiment appliquer la politique telle qu'elle a été proposée par Malek Ben Nabir. Restez avec nous. C'est l'art de servir le peuple. Restez avec nous, Anwar Adam. À droite et à gauche, nous sommes là pour servir le peuple. Et justement, ce groupe AKP a bien montré et au peuple turc et à la communauté internationale que si on laisse la liberté d'expression à tout le peuple, même dans la mouvance islamique, il y aura des gens qui voudront bien, qui deviendront un facteur de stabilité. Et ça a été prouvé après tant d'années dans ces élections du 1er novembre en Turquie. Restez avec nous, Anwar Adam. Je reviens à vous dans un petit moment. Brahim Younsi, certaines personnes foncièrement sincères, hein, qui n'ont pas d'intention malveillante, pensent néanmoins que l'AKP procède d'une certaine dynamique, d'une certaine méthode qu'on appelle l'entrisme. Ça veut dire qu'ils ne se dévoilent pas totalement, d'après ces gens, qu'ils vont petit à petit, qu'ils montrent patte blanche, qu'ils acceptent de gérer un État dont le premier symbole est la laïcité, qu'ils s'y fondent, qu'ils s'y confondent, qu'ils ne se disent jamais islamistes, qu'ils acceptent toutes les règles du jeu, mais que petit à petit, ils en viendront à dévoiler leurs cartes lorsqu'ils prendront la totalité du pouvoir. C'est ce que disent ces gens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas où ils font de l'entrisme. Dans l'État ? Vous l'avez dit tout à l'heure, l'armée reste de près ou de loin la garante de ce qu'on appelle la laïcité. Le mouvement AKP n'a jamais caché son islamité. Nous le voyons, ça fait plus de 10 ans qu'il est au pouvoir, qu'il gère les affaires publiques. Il n'a pas porté atteinte aux droits publics, aux droits démocratiques. La compétition électorale ou les compétitions électorales qui ont eu lieu se sont déroulées dans la transparence la plus totale. Sans contestation aucune, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Cela est important. L'AKP a montré et démontré qu'il avait une culture d'État. Et ce n'est pas de l'entrisme, parce qu'il est en train d'enrichir la Turquie, à tout point de vue, dans l'exercice de la démocratie. Sur le plan politique, l'AKP a fait faire à la Turquie un très grand pas en avant. Et sur le plan économique, n'en parlons pas. La Turquie est devenue un pays émergent. Depuis que l'AKP est là, depuis que l'AKP conduit les affaires publiques de la Turquie. Est-ce que c'est cela qui explique qu'une grosse partie de ses électeurs ne soient pas des islamistes et qu'ils ont quand même voté pour l'AKP ? Oui, absolument, absolument. On ne fait pas autant de voix seulement avec ses propres partisans. S'il a eu cette majorité, c'est parce que des forces qui n'appartiennent pas à cette mouvance a donné ses voix, ses suffrages au candidat de l'AKP. Cela est évident. Quelle leçon, Brahim Younsi, tirer pour l'Algérie, pour les échéances à venir? Est-ce que une telle dynamique pourrait se développer avec des garanties mises en place, un cadre légal, démocratique, où pourraient s'inscrire tous les mouvements, quels qu'ils soient, y compris islamistes, serait possible? Je pense que oui, mais c'est aussi au pouvoir, au système en place, de regarder ce qui se passe ailleurs. On a cité tout à l'heure la Malaisie et l'Indonésie,
qui sont et aussi sous des régimes de type démocratique, qui néanmoins ne perdent pas leur culture parce que il y a un problème de culture, de valeurs, de racines, etc., etc. Cela, tous les peuples défendent leurs valeurs, et nous l'avons vu très récemment dans ce pays où nous sommes sur la question des valeurs. L'armée, on le voit dès que l'armée évacue le champ politique et laisse le peuple décider de son sort, de porter des hommes et des femmes librement à l'exercice du pouvoir, nous voyons que cela réussit. Mais cela ne réussit pas sans organisation. À la différence de notre pays, il faut le dire, et ça c'est une pierre dans le champ de l'opposition, parce qu'elle n'est pas organisée. L'AKP, qui vient, comme on l'a dit tout à l'heure, d'un processus qui a commencé il y a déjà très longtemps, qui s'est affirmé avec Erbakan, il est vrai, qui devient d'ailleurs Premier ministre, qui est extrémiste ou pas extrémiste, le mouvement musulman, pour ne pas dire islamiste en Turquie, est parvenu au pouvoir dans les années 80. Cela est déjà une première victoire de ce processus qui était engagé. L'AKP confirme, non seulement confirme la progression de la mouvance, de cette mouvance-là musulmane, mais apporte aussi la preuve que cette mouvance-là est capable non seulement de gouverner, mais de créer les conditions de la prospérité. C'est ça qui est... Et chez nous, cela est possible. Cela est possible parce qu'il y a de nouvelles générations aussi, et c'est le cas de l'AKP, parce que c'est une nouvelle génération qui est arrivée après notamment Erbakan. Et cette nouvelle génération a vécu dans la modernité, on la voit faire, on la voit, mais qui reste enracinée dans son peuple. Merci. Ce n'est pas le cas. Merci Brahim Younsi. Merci, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Anwar Adam, vous allez avoir le mot de la fin. Tout à l'heure, Brahim Younsi a dit que en Turquie, l'armée reste gardienne de la laïcité. Mais en 91 et en 92, au moment de l'interruption du processus électoral en Algérie, l'armée aussi était très puissante et elle avait l'initiative, puisque le pouvoir exécutif était entre les mains d'un militaire, Chadli Bejdi Derbi Rahmo, que les islamistes n'avaient pris que le pouvoir législatif, que l'armée gardait le contrôle de la situation, mais ça ne l'a pas empêché d'interrompre le processus électoral. Ce n'est pas un secret que je suis très proche de l'AKP, nous connaissons depuis 20 ans maintenant, ce qui se passe actuellement, c'est que l'AKP a réussi à le défi de la démocratisation de l'institution militaire. Ça veut dire que l'institution militaire, elle est sous le contrôle des élus du peuple turc. Et bien sûr, que ce soit toutes les institutions de l'État, que ce soit la présidence, le Parlement, l'armée, ils sont là pour essayer de sauvegarder le choix libre du peuple. Personne n'a le droit de s'accaparer l'interprétation de l'islam ou de rentrer dans une théocratie, etc. Donc, c'est ça ce qu'on veut. Maintenant, les gens, il y a certains en Europe qui voudraient bien dire que ça, c'est la laïcité, c'est bon, mais la laïcité a plusieurs définitions. Donc, le plus important, c'est qu'ils ont réussi ce challenge, ce défi. Est-ce que la laïcité... Anwar Adam, une question d'ordre existentiel, j'allais dire. Est-ce que la laïcité signifie seulement séparation entre la mosquée et l'État, l'Église ou l'État, et est-ce que l'islamisme est fondé une société sur des fondements civilisationnels qui lui soient propres, ou est-ce que l'islamisme s'est appliqué à la lettre
les commandements divins. Disons que moi j'adopte la définition du pays où je suis, hein, parce qu'on il faut et que je trouve qu'on a beaucoup de choses en commun, c'est-à-dire il faut défendre le principe du droit à la religiosité. Et c'est ça la séparation ici de l'Église et de l'État aux États-Unis. Cela veut dire, ça ne veut pas dire la répression contre la religion ou contre le religieux. Ça veut dire reconnaître l'expression de toutes les religiosités, quelles qu'elles soient, ou seulement de la religiosité dominante? Exactement, c'est ce qu'il faut. Et c'est ça notre interprétation des textes religieux chez nous. Personne n'a le droit d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc c'est ça, l'Ikrah Hafid-Din. Donc l'État est là pour préserver le droit du peuple. Il est là pour défendre le peuple, pour servir le peuple. Je vais vous interrompre une minute. Brahim Younsi souhaite dire un dernier mot. Brahim Younsi. Oui, bon, je ne veux pas approfondir. Oui. Mais la question de la laïcité, c'est vrai que c'est une question de, dans l'Occident, de séparation d'institutions, de pouvoir. Or, en islam, il n'y a pas de pouvoir religieux. Il n'existe pas pour séparer un pouvoir religieux d'un pouvoir temporel. Un pouvoir spirituel d'un pouvoir temporel. Les pouvoirs, s'ils sont confondus chez nous, ils sont confondus par la loi. C'est-à-dire que la question qui se pose est la question du droit. De quel droit devons-nous nous revendiquer? Quelle est la source du droit chez nous? Quelle serait ou quelle devrait être la source du droit? C'est cette question-là qui peut être aussi un peu, j'allais presque dire, transversale. Il faut absolument que la question du droit, de la source du droit, en Algérie ou dans l'ensemble des pays musulmans, soit posée. Vaste programme, Brahim Younsi. Si vous le voulez bien, nous allons préparer une émission sur ça. Je suis tout disposé. Nous recevrons d'autres personnes avec lesquelles nous pourrions discuter de ce sujet ô combien épineux. Sinon, je laisse Anwar Haddam le mot de la fin. Anwar Haddam. Donc, pour nous, il y a premièrement, à la communauté internationale de comprendre ce changement, cet appel pour le changement dans le monde arabe et le monde musulman. Avant, on n'avait pas d'exemple 20 ans avant, dans le cas de l'Algérie. Maintenant, nous avons un exemple, la Turquie. Il est possible d'avoir des partis d'obédience islamique qui seront un facteur de stabilité et qui adoptent la gouvernance démocratique Shura dans leur propre décision. Donc, et ça va dans l'intérêt de tout le monde. Et nous sommes prêts à œuvrer pour ça, parce qu'il y a aussi la question algérienne. On n'a pas eu le temps de parler beaucoup en comparaison avec la question de... On aura l'occasion, Anwar Haddam, de faire une autre émission. On va faire de la tendance islamique, c'est ce que je veux dire. Inch'Allah. En tout cas, merci infiniment, Anwar Haddam. Merci infiniment, Brahim Younsi. Avant de clore cette émission, je voudrais vous poser une question aux téléspectateurs. Connaissez-vous l'histoire de la casquette qu'on porte à l'envers, comme ça? En fait, dès 1925, après que Mustafa Kemal Atatürk ait interdit strictement le port du fez, la chachia stambouli, comme on dit, les Turcs étaient désormais obligés de porter la casquette. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient pour résister à leur manière? Ils retournaient la visière vers l'arrière quand ils se prosternaient pour la prière. Et lorsqu'ils avaient fini de prier, ils la laissaient comme ça, façon de montrer que malgré les pressions, il continuait de prier et que malgré l'obligation de porter la casquette, il la portait à l'envers pour bien montrer dans quelle considération il tenait cet effet vestimentaire qu'on leur avait imposé. Merci d'avoir suivi cette émission. Salam alaikum, qawal akhir, salam.